dans laquelle je vais vous présenter donc les Ready Bed. Donc ici c'est deux éditions, le petit pied à la moustique là. J'avais acheté celui-là pour Baya sur mon site favori de puériculture. Donc je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez, parce que voilà, vous pouvez l'avoir à plus ou moins 50%, les 35-50% du prix. Par après, j'ai été au magasin Trafic qui était en train de faire une liquidation totale, et du coup ben j'ai pris celui-là puisqu'il était à moins 50, plus moins 50. Pourquoi j'ai pris ceci en fait? Parce que je voulais vous les comparer en vidéo. Il est un peu différent, donc je vais l'ouvrir avec vous celui-là. Celui-là je le connais déjà, je l'ai testé avec la petite. Vous expliquer un peu le concept de ce produit-là parce que je trouve que c'est super. Le grand cousin de Baya, Wassim, est venu dormir chez nous aujourd'hui. Je ne l'ai pas testé avec lui parce qu'on a assez de place à la maison, mais c'est vrai que c'est très intéressant comme produit si vous avez des amis ou si vous faites dormir votre enfant ailleurs. Si même vous partez en vacances ou autre, je pense que ça serait une bonne alternative pour éviter de payer voilà, des frais en plus si vous n'avez pas de lit. Il y avait celui-ci, il y avait le Cars, il y avait Superman, je ne sais plus. De toute façon, je vous partage à chaque fois tout sur mes réseaux sociaux, Zina Benemua, comme à chaque fois, sur Instagram, Snapchat, Facebook officiel. Donc Facebook c'est Zina Benemua officiel, sur Twitter. Donc je vous partage à chaque fois mes bons plans sur Bruxelles ou sur les sites internet mondial. Donc ici il y a un sac de transport qui est inclus, protection et transport, donc ça c'est bien. La pompe elle est juste ici, je vous la montrerai juste après. Et alors donc ça c'est le lit. Sachez que la marque font également des tentes de jeu. Celui-ci donc je l'ai commandé sur le site de périculture sur lequel je commande tout le temps. Si vous me suivez sur les réseaux, vous voyez à chaque fois que je commande souvent dessus. Celui-ci il revient assez souvent dans les ventes, donc n'hésitez pas à vous inscrire et comme ça vous recevrez les emails, et quand vous voyez que Ready Bed qu'il y a une vente qui tombe, sachez que voilà, ils seront là. Tous les mois, tous les deux mois ils reviennent sur le site. Vous avez toujours des motifs différents. N'hésitez pas donc à vous inscrire et donc je vous informerai sur les réseaux sociaux. Si vous me suivez sur Instagram, Snapchat et tout, dès qu'il y a la vente qui retombe, moi je vous informe à chaque fois. Celui-là de Baya a déjà été gonflé, hein, il est toujours ici. Moi je le cache derrière la porte du salon, donc c'est vraiment facile. Parce que voilà, vous pouvez le dégonfler, le regonfler à chaque fois, mais moi il n'y a aucun souci, je le mets derrière la porte et il est caché, on le voit pas. J'ai un grand espace en fait entre la TV et le salon. Faut savoir qu'il est déconseillé de faire sauter les enfants dedans. Je pense que celui-là est mon préféré, cette édition-là, parce qu'il y a le contour qui est remonté, donc du coup il y a une protection. Ça c'est la pompe de celui que j'ai déjà gonflé. Vous voyez, c'est super pratique, super rapide. Voilà, vous avez juste en fait à pousser et ça gonfle hyper vite. Donc quand je suis en train de regarder la boîte, je vois qu'il y a la possibilité donc de laver en machine, sac de transport intégré, pompe comprise, sac de couchage moelleux avec matelas. Et alors il y a marqué que c'est 150 cm ouais, de longueur. Donc ce qu'il y a, c'est que ici en fait c'est le sac de transport. Donc quand vous avez tout enroulé, que vous avez tout dégonflé, eh ben, c'est ce qui fait office de sac de transport. Vous voyez? Donc voilà. Je crois que l'autre en fait j'ai dû retirer une tirette. Enfin il y avait une tirette que je devais, enfin voilà, je devais trouver un trombone. Et donc je ne savais pas ouvrir cette tirette sans trombone ou sans aiguille. Et par après à l'intérieur il y avait l'embout où je pouvais rentrer la pompe. Donc là celui-là je trouve qu'il est plus pratique. Éviter également la chaleur. Là ils disent qu'il faut éviter en fait de jeter des objets assez lourds ou du style du bois, éviter de mettre ça sur des zones pas plates en fait, des zones où il y a des petits picots ou quoi, parce que ça peut faire péter en fait le truc, hein. Les appareils chauffants. Donc pour les pompes, vous avez la possibilité d'utiliser d'autres pompes. Donc pour retirer le tout, vous avez de l'autre côté en fait du sac de transport, vous avez un scratch ici. Et pour retirer, en fait, tu retires tout le truc en plastique. Avec la température qui change, faites attention. Et puis, si vous avez un problème, ils mettent qu'il y a un numéro de téléphone si vous voulez appeler. Oui, je sais que tu sais le faire, Baya. Après, on va dégonfler et on va le gonfler. Ça va? Oui. Alors, pour gonfler la chose, vous avez ici donc, il faut dévisser. Vous avez différentes éditions, hein, comme je vous ai dit. Donc même l'embout ici sera différent. Vous appuyez sur la valve.
vous mettez la pompe et c'est parti. Ouais, il est bien gonflé. Donc ça c'est pour dégonfler. Comment il faut s'y prendre. Alors là, je viens de remarquer que donc il est bien plus grand que l'autre. Donc l'autre est ici des princesses, c'est 150 cm et l'autre est plus petit. Donc voilà, je vous montre de côté. Comme ça, vous voyez un peu la différence entre les deux. Pour la comparaison, alors pour le contour de celui de droite, voilà, je trouve que c'est un plus. Ça protège l'enfant, surtout s'il est petit et qu'il risque de tomber. Sur le côté ici, vous avez une petite pochette que je pense qu'il n'y a pas. Sur l'autre, si je dois reprocher quelque chose à ce truc-ci, c'est que la tirette ici n'est pas disponible comme pour l'autre. Sur celui de gauche, vous avez les tirettes qui peuvent protéger également l'enfant de tomber sur les côtés. Donc par rapport à la qualité du matelas, bah celui-là je l'ai pas complètement gonflé en fait hein. C'est pas grave, c'est un effet spécial. Est-ce que c'est un effet plume? Parce que quand j'appuie comme ça dessus, on a l'impression qu'il y a des plumes et que c'est pas de l'air. Ah, c'est bizarre, il y a marqué moelleux. Ce que je reprochais, c'était que l'épaisseur de celui-ci n'était pas énorme. Hein. Voilà, si c'est l'hiver, il faudra rajouter quelque chose en plus. En été, c'est parfait. Hein. Il ne faut pas plus. Donc pour le dessous de celui-là, voilà, la tirette, vous avez la tirette. Et alors, il faut aller chercher l'endroit pour gonfler. Vous avez également la partie pour rangement. D'accord, pour le sac de couchage, pour le transport. Pour l'intérieur, c'est sur les deux faces comme du satin. Et cette partie-ci, c'est vraiment comme du polar, comme ça. Voilà, donc la partie du dessus ici est plus douce. Donc par rapport à ici, ouais, ça reste doux ici. Et puis ici, c'est en satin. L'intérieur ici est doux comme ici. Et alors ici, c'est en satin. C'est beau parce que ça donne un beau résultat en fait visuel quand c'est satiné. Donc Baya et Wassim, vous pouvez aller dans vos petits lits. Hein? Vous voulez tester? Oui. Allez-y. Pas sauter. Encore une fois. Celui-ci, contrairement à celui-ci, c'est que vous avez la partie coussin quand même. Ici, c'est surélevé. Vous voyez? Donc c'est surélevé. Contrairement à ici, Baya elle a l'impression que c'est ça le coussin. Et ouais voilà, ça peut servir de coussin. Mais moi ce que je fais, c'est que je lui mets toujours un coussin ici. Voilà Baya, allez. C'est bien Wassim? C'est bien, t'aimes bien. T'aimes bien? Oui, mais c'est pas les princesses qu'il te faut toi. Tu veux Cars? Hein? Ou Superman? Oui. Tu veux ça mais en Superman? Ah, Superman. Oui. Superman ou Cars? Cars. Tu veux quoi? Cars. Tape ici. Yeah! Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à vous inscrire sur le site. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Et alors à me suivre sur les réseaux sociaux. Comme ça, je vous tiendrai informé de quand vous aurez des nouvelles ventes privées sur le site. Donc si vous ne désirez pas attendre la vente privée, ce que je peux faire, c'est que je vous mets le lien en barre d'infos pour l'acheter sur internet directement, sur les réseaux sociaux comme à chaque fois, Zina Benyamua. Et alors à vous abonner à ma chaîne, donc en cliquant juste en dessous. N'oubliez pas la petite cloche pour être notifié, donc on vous prévient à chaque fois lorsque je publie une vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.